Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue ici. Nyanse Reborn. En dessous de cette vidéo, si vous êtes abonné, cliquez là sur abonner ou activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. Mes frères et sœurs, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous protège et vous guide dans tout ce que vous faites. Et dans tout ce que vous faites, rendez gloire à Dieu, mes frères et sœurs. Rendez gloire à Dieu et recherchez toujours à plaire à Dieu, car cela est bon. C'est pas seulement pour faire plaisir à Dieu, mais c'est pour aussi sauver notre vie. Parce que l'homme, parfois, fait des choses tellement bizarres que l'on ne peut pas s'imaginer. Il pense que ça vient de lui-même, alors que ce sont les démons eux-mêmes qui le poussent à prendre de telles décisions ou à faire de telles actions. Pourquoi nous parlons ainsi aujourd'hui? Pourquoi nous parlons ainsi, mes frères et sœurs? Pourquoi? Pourquoi aujourd'hui, Nyanse Reborn vous parle de telles choses? De quoi il s'agit? Soyez prêts. Je vais vous poser une question encore aujourd'hui. C'est vous qui allez me répondre. Répondez-moi, les frères et sœurs. Répondez-moi. Répondez-moi, s'il vous plaît. Répondez-moi. C'est quoi? Qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'amour? S'il vous plaît, dites-moi. Qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'amour? C'est quoi un pacte d'amour là? Qu'est-ce que c'est? Un pacte d'amour. Quelqu'un va dire? Ah! Un pacte d'amour. On a parlé de pacte avec le diable. Mais un pacte avec l'amour là, d'où ça vient encore? Quelqu'un va dire, oh, tu n'es pas informé, tu ne sais pas ce que ça signifie. Moi, je sais, un pacte d'amour, c'est ceci, c'est cela. Mais qu'est-ce que c'est qu'un pacte d'amour, en fait? En fait, qu'est-ce que c'est? Ok, nous allons essayer de comprendre ensemble ce que c'est qu'un pacte d'amour. Un pacte d'abord, c'est quoi? C'est un accord, une alliance. Ok. Mais quand on parle de pacte d'amour, dans ce sens, et c'est la raison pour laquelle même nous parlons de pacte d'amour, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Le problème ici, là, c'est que deux personnes, c'est-à-dire la femme et l'homme, dans leur chambre, qu'est-ce que vous savez ce qu'ils vont faire? Dans leur maison, les deux personnes vont décider de s'aimer à l'extrême. Et tellement ils s'aiment à l'extrême là, vous savez ce qu'ils font? Ils vont maintenant dire, comme on s'aime beaucoup et qu'on est inséparable, nous allons faire quelque chose. Vous savez ce qu'ils vont faire maintenant? Ils vont prendre un couteau et les deux vont se blesser. En fait, ils vont faire couler leur sang, un peu de leur sang, quel que soit l'endroit où c'est, mais il faut que les deux apportent leur sang. Et ils vont faire quoi? Signer un pacte ensemble. Avec quoi? Leur sang. Et ils vont dire dans ce pacte que si tu te sépares de moi, tu meurs. Et l'autre va dire, toi aussi, si tu te sépares de moi, tu meurs. Nous sommes liés pour la vie et nous sommes inséparables. Ainsi, le pacte est signé. Hey! Hey! Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est encore? Qu'est-ce que c'est? Tu vas pas me dire que tu n'as jamais entendu parler de ça? Quelqu'un va dire, franchement, Nyanse Reborn va nous faire découvrir des choses encore, sur des choses encore, sur des choses encore. C'est quoi ça encore, mes frères et sœurs? C'est ça. Un pacte d'amour. Tellement ces deux personnes s'aiment, ils vont décider maintenant de s'unir, pas par la chair, mais maintenant par l'esprit. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? L'homme quittera son père et sa mère. Et que va-t-il se passer par la suite? Il s'attachera à sa femme. Et que va-t-il se passer par la suite? Les deux formeront quoi? Une seule chair. Écoutez, les deux formeront une seule chair. Le Seigneur n'a pas dit, les deux formeront un seul esprit.
Mais tellement le... Non. Vous ne pouvez pas imaginer ce qui se passe. L'homme aujourd'hui fait des choses graves. Très graves. Et quand vous allez les voir les deux dans la chambre, en train de faire ça, ils vont se dire que ça vient d'eux. Ils vont dire, oh, ça vient de moi. Ça, comme on s'aime, c'est pourquoi on a pris ça. C'est faux. C'est faux. C'est vrai, hein? Vous vous aimez, c'est vrai. Mais il y a des démons qui sont derrière, qui ont poussé l'action. Ce sont eux-mêmes qui ont veillé à ce que ça se passe ainsi. Vous allez vous dire, ah, peut-être ce qu'on a fait là, c'est, on vient de faire comme pacte là, c'est de la blague. Hey. Quand les deux vont finir de faire ce pacte là, vous savez ce qui va se passer? On ne souhaite pas, hein? On ne souhaite pas. Mais si l'un des deux meurt, c'est-à-dire, si l'homme, par exemple, il décède, quand la femme, là, elle va essayer de se remarier, vous savez ce qui va se passer? L'homme avec qui elle va se mettre là, il va mourir. À chaque fois, hein, il va mourir. Tous les hommes avec qui elle va tenter de s'unir, vont tous mourir l'un après l'autre. Et elle ne va jamais se poser la question de savoir, mais, ah! Pourquoi les gens meurent? Qu'est-ce que j'ai fait? En ce moment-là, tu as oublié ce que tu as fait là. Elle a oublié. Il a oublié ce qu'il a fait. Ce pacte d'amour que tu as fait dans le passé, il y a 10 ans là. C'est ça qui te rattrape aujourd'hui. Tu dois faire quoi maintenant? Briser ce pacte. Ah! Mais avant de briser ce pacte, il faut te souvenir de ça. Aujourd'hui, Union se rebond. Fais cette vidéo pour te dire que Dieu lui-même est en train de dire que ce qui est à la base de ton problème et puis les gens meurent autour de toi, tu ne peux pas rester avec quelqu'un là. C'est le pacte d'amour que tu as signé dans le passé. Souviens-toi de ça, répands-toi. Pour briser ce pacte-là, tu sais ce que tu dois faire. Tu dois non seulement aller voir les hommes de Dieu, mais aussi te confesser. Tu dois te confesser. Quand tu vas te confesser là, ce pacte-là va être brisé immédiatement. Ça veut dire qu'il y a des délivrances qui s'opèrent lorsqu'on se confesse. C'est lorsque tu ouvres la bouche et tu dis, voici j'ai fait ça, et j'ai fait ça, j'ai fait ça. Quand tu ouvres la bouche et puis tu dis là, les démons là, ça te fait tomber leur force. Pourquoi? Parce qu'ils sont dévoilés. Le pacte d'amour que tu as fait là, avec celui que tu aimais là, c'est ça qui est à la base de ton problème aujourd'hui. Le pacte d'amour que tu as fait avec celle que tu aimais là, de tout ton cœur là, plus que Dieu là, c'est ça qui te cause ce problème aujourd'hui. Dieu a dit quoi? On est unis par la chair. Qu'est-ce qui vous prend aujourd'hui? Qu'est-ce qui pour nous prend tous aujourd'hui? Qu'est-ce qui prend les hommes pour s'unir maintenant par l'esprit? Mes frères et sœurs, attention, sortez de ces choses. Si vous vous apprêtez aussi à signer de telles choses, de tels pactes, attention, attention. Quand vous allez faire ça, les démons eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Les démons vont venir s'asseoir dans le pacte et vont venir s'asseoir dans vos paroles pour veiller à ce que vos paroles s'accomplissent. Est-ce que vous voyez un peu de quoi la question? On peut dire que les deux ont fait des pactes. Pourquoi c'est un effet après 10 ans? Pourquoi c'est un effet? C'est parce que l'homme ne sait pas que l'homme, l'être humain, a une double puissance. C'est-à-dire toi et moi, là, nous avons une double puissance. La première puissance, là, c'est la parole qui sort de notre bouche. Ça, c'est une puissance. Et la deuxième puissance se trouve où? Dans notre sang. Le sang qu'on a là, c'est une puissance redoutable. C'est pourquoi le diable, il préfère que les gens signent les pactes avec le sang. Il préfère le sang humain, consommer le sang humain pour augmenter quoi? Son pouvoir. Faites attention! Vous n'êtes pas n'importe qui. Que tu sois pauvre et que tu sois riche, tu n'es pas n'importe qui. Tu as quelque chose en toi de très puissant que tu ignores. Aujourd'hui, nous te rappelons ça aujourd'hui pour te dire, faire attention! Faire attention! Tout ce que Dieu a créé là, il l'a créé pour un but.
la lune pour la nuit, le soleil pour le jour. Attention, réveillez-vous, ne faites pas des pactes d'amour, sortez de ces choses. Confessez-vous devant de vrais hommes de Dieu et demandez à Dieu de venir à votre aide, de vous purifier par son sang et de vous aider à briser ce pacte. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à de cette vidéo. Activez la cloche pour ne pas manquer tout simplement nos prochaines vidéos. À bientôt. N'inscrivez pas. Que Jésus vous garde et qu'il vous bénisse.